Morgan Aleiden, les tutres aujourd'hui, les Lonish Matriv, Kabatsara Rachel Rachel, Batsara Peggy Batester, Lisa Lisa Bat Frecha, Zarbat Manal Toshi, Sportish, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perigdalet, Mishnah Alef. Echad Dine Mamonot, Bechad Dine Nefashot, Bidrisha, Ubafakira, Sheneema, Mishpat Echad Yelachem, Ma Ben Dine Mamonot, Le Dine Nefashot. דיני ממונות משלושה ודיני נפשות ועשרים ושלושה דיני ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחים לזכות ואין פותחים לחובה דיני ממונות מתין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מתין על פי אחד לזכות ועל פי שניים לחובה דיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה דיני ממונות הכל מלמדים זכות וחובה ודין נפשות הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור ללמד חובה דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום דיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום של אחריו לחובה לפיכך, אין דנין, לא בערב שבת ולא בערב יום טוב. On a une Mishnah qui va nous comparer les dinei mamonot aux dinei nefashot, les procès des différents d'argent aux procès qui traitent de condamnation à mort, où l'on est bien évidemment d'un côté plus rigoureux, mais d'un autre côté, justement, c'est là toute la particularité de notre Mishnah. Qui va nous enseigner, il y a un pasouk particulier qui nous dit Vehit Silu Aeda. La Gemara enseigne qu'un Bet Din qui condamne même une fois tous les 70 ans, qui réussit à prononcer une condamnation à mort une fois tous les 70 ans, ça s'appelle un Bet Din Katlanit. C'est un Bet Din pas bien vu dans le ciel, il est considéré comme un Bet Din meurtrier. Nous, on doit tout faire pour ne pas prononcer, selon des règles bien sûr, ne pas prononcer de condamnation à mort selon Bet Din. Et on va apprendre dans notre Mishnah justement plusieurs halakhot qui vont tendre à favoriser la tendance à disculper l'accusé. Bien évidemment, entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on va laisser un meurtrier se promener dans la rue. On va l'enfermer même plus que ça. On va l'enfermer dans une pièce, on va laisser mourir de faim. En tout cas, on ne va pas lui faire la condamnation à mort. Quand on étudiait Baba Kama, on avait expliqué le principe. C'est très profond. Il y a ici quelque chose de très particulier, pourquoi le Bet Din, le Sanhedrin lui-même, ne peut pas prononcer la condamnation à mort, qu'il faut absolument l'éviter. On doit être Melamed Zchout, on doit au mieux trouver des circonstances atténuantes pour expliquer pourquoi c'était pas, il n'y a pas lieu ici de trouver la vraie condamnation à mort. D'accord ? Concrètement, notre Mishnah va d'abord rapporter un point commun entre les différents argents et les condamnations à mort, et après 8 différences. Étant donné que la prochaine Mishnah sera très courte, on va laisser la fin de la partie des deux derniers cas de la Mishnah, on va les laisser pour la prochaine Mishnah, on les fera ensemble. Comme ça, on va équilibrer plus ou moins les deux Mishnah. Echad dinei mamonot vechad dinei nefashot bidrisha ou bachakira. Qu'il s'agisse des différents d'argent, ou qu'il s'agisse des lois, des procès de condamnation à mort, bidrisha ou bachakira. On va interroger et enquêter, approfondir les propos des témoins. On aura l'occasion d'en parler longuement dans le Perek He. Quelles sont les questions exactes que l'on pose aux témoins? On va distinguer trois sortes de questions. Une série, ce qu'on appelle les Chakira, où le témoin va devoir nous situer le lieu et le moment où le crime s'est passé. Drisha, ça va être les questions où on va lui demander les faits concrètement, de quelle manière il l'a tué, qu'est-ce qu'il lui a dit. Et à part ça, il y aura encore toutes sortes de questions qu'on va appeler les bdikot. Les bdikot, on va poser des questions un petit peu plus subtiles. Le but sera de faire tomber les témoins, de trouver une certaine contradiction. On va leur retourner la tête avec toutes sortes de questions jusqu'à la fin. S'ils se contredisent, ils vont s'invalider. Ça, c'est ce qu'on appelle les drisha, hakira et bdika qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. La Mishnah nous enseigne qu'il s'agisse des différents d'argent, qu'il s'agisse des procès qui traitent de condamnation à mort, il faudra toujours analyser les témoins, leur poser les 7 questions essentielles qu'on aura l'occasion de voir, du lieu exactement, ce sera dans le Perek Hey, où ce sera précisé, et même les drishas lui poser des questions minimales sur les faits. Chez Nehemar, comme le pasuk nous dit, Mishpat Echad Yelachem, comme le pasuk nous dit, il y aura un seul Mishpat, une seule manière de juger pour vous. Soit
Il y a dans la Torah, dans Dvarim Yud Gimel, je crois que ça correspond à Parashat Shoftim, si je ne me trompe pas, ou peut-être Kitetsé, non, Shoftim plutôt, où là-bas, on parle de la Iran Nidahat, la cité maudite, et la Gemara nous dit, et la Torah nous dit, quand tu entendras qu'il y a eu ce crime qui a été réalisé, Vedarasha Vechakarta Etev, tu analyseras et tu enquêteras est-ce que réellement ça a été fait avec la même riche out. Et de là-bas, on apprend Vedarashta Vechakarta qu'il faut être Doresh Vechoker. Pour les condamnations à mort, il faut analyser les témoins, bien comme il faut les interroger à fond. Selon ce principe, maintenant, on a eu la Torah qui a parlé explicitement pour les condamnations à mort. Du fait qu'il est écrit dans un autre pasuk, dans Vaikra, Mishpat Echad Yalachem, une seule manière de juger il y aura pour vous, on apprend à juxtaposer que le même principe pour les condamnations, pour les lois des différents argents, où il faudra bien analyser les témoins. On posera moins de questions, et même plus que ça. Chamim sont venus et ont allégé les questions posées aux témoins, de manière à ce que l'on ne va pas fermer la porte devant les emprunteurs, comme ça. Shalotinol Delet Bifnelovim. Donc, Midara Banan, on va alléger énormément les questions posées aux témoins dans les différents argents, histoire de laisser les gens prêter leur argent, qui est une très grande mitzvah, ça aide énormément. Et de ce fait, donc Rabbi, moi, léger. En tout cas, par rapport au Din Torah, il fallait poser les 7 questions qu'on va voir que le Bartonoura avait déjà évoquées, ou qu'on apprend dans le Perikhe, dans le Din Mamonot. D'accord ? Maintenant, la suite de la Mishnah va nous conter les différences entre les lois des condamnations à mort et les lois des condamnations d'argent. La différence essentielle, donc on l'a dit, dans les différents d'argent, de condamnation à mort plutôt, dans les condamnations à mort, la Torah a insisté, Veitzilu Aeda, il faut tout faire pour disculper l'accusé. Et de ce fait, on va prendre plusieurs halachot qui vont aller dans ce sens. Ma bendine, ma monote, et dine fachot. D'abord, quelles sont les différences entre les différents d'argent et les dine nefachot, les condamnations à mort? Dine ma monote bishlosha, les dine nefachot bezri mushlosha. Pour les différents d'argent, il suffit 3 juges, et pour les condamnations à mort, il faudra 23 juges, comme on l'a appris dans le premier pérec, premier Mishnah de Sanhedrin. Premier pérec de manière générale. Dine mamonot potrin ben lizchut ben nechova, et dine nefashot potrin lizchut ben potrin nechova. Pour les différents d'argent, je traduis littéralement d'abord, potrin, on ouvre le débat, le procès, ben lizchut ben nechova, avec une tendance à acquitter, disculper, ou ben lechova, ou bien même avec on peut ouvrir le procès avec une tendance à condamner. Ve'dine nefashot, tandis que pour les lois de condamnation à mort, potrin lizchut ve'en potrin lechova. On ouvre le procès avec des propos qui vont tendre à disculper et pas avec des propos qui condamnent. Soit, je vais me fier sur le Tosot Yom Tov qui rapporte la Gemara. Ça prêtait un peu à confusion avec le Barthénora, mais le Tosot Yom Tov, il corrige et explique qu'en réalité, une fois que les plaignants ont déposé leur plainte, on a interrogé les témoins, avant de commencer à débattre, on va dire à l'accusant, on va lui dire, écoute-moi, on n'est pas là pour te condamner à mort si tu n'as rien fait, sache que si tu n'as rien fait, Be'ezrat Hashem, on va tout faire pour prouver que tu es innocent. Et on débat, ensuite on commence à débattre de chacun, chaque juge va avancer ses propos. D'accord ? Dine mamonot, ça nous fait la troisième différence. Donc le nombre de juges, 3 ou 23. Comment, avec quelle tendance on va ouvrir le procès ? Troisième différence, la manière de trancher selon la voix de la majorité. On a déjà aussi évoqué ça à la fin du Perek Rishon, que on va selon la voix de la majorité. D'accord, qu'on ait 3 juges ou qu'on ait 23 juges, on va selon la majorité, mais avec une différence. C'est que pour les condamnations à mort, il faut une différence avec un minimum de 2 supplémentaires. Soit, quand on est 23, alors on ne pourra pas faire 12 contre 11. Même 12 qui condamnent ne suffiront pas, il faudra forcément faire 13 contre 10. Vous allez me dire, alors on se retrouve avec une différence de 2. C'est vrai, là-bas, il y a un Tosot Yom Tov qui parle concrètement comment c'est possible. Il y a des cas de figure. En tout cas, on ne va pas selon la voix de la majorité avec un seul supplémentaire qui condamne pour les condamnations à mort. Qui dispense, qui acquitte, oui, mais qui condamne, non. Soit 12 qui acquittent, 12 qui disculpent, alors on prononcera un verdict qu'il est acquitté. Tandis que si c'est 12 qui condamnent, alors on ne prononcera pas, on n'accomplira pas la condamnation. Ce sera quelqu'un de très problématique, mais on ne le condamnera pas, on n'appliquera pas la loi de la condamnation à mort parce que la Torah a insisté qu'il y ait 2. On l'a déjà dit.
lorsque l'on va le... Certes, on ne va pas l'appliquer à la condamnation à mort, ça ne veut pas dire qu'on va laisser un meurtrier se promener dans la rue, on va bien sûr l'enfermer, et même plus que ça, la grande enseigne qu'on va le laisser mourir de faim, mais en tout cas, on ne va pas, nous, avec nos mains de juge, aller le tuer. On ne va pas lui faire la loi de la condamnation à mort de la Torah. Dine mamonot machazirin ben nizchut ben mechova, dine nefashot machazirin nizchut ben machazirin mechova. Cette fois-ci, cette Mishnah nous rapporte au début du troisième pérek de Sanhedrin, où là-bas, on avait appris que, une fois que le verdict a été prononcé pour les dîners mamonot, pour les différents argent, si un juge réalise qu'il s'est trompé, si on va prouver à un juge qu'il s'est trompé, alors on va rappeler les deux parties. Et selon le cas, il y avait un long Bartanoura là-bas, c'était la très longue Mishnah, où le Bartanoura nous disait dans quel cas, de quelle manière on va retourner, on va rendre l'argent, et le Dayan devra lui-même rendre de sa propre poche l'argent. Et ça, on rappellera, quel que soit le verdict prononcé, qu'on est acquitté ou qu'on est condamné à payer, dans tous les cas, on rappellera les deux parties et on recommencera le procès pour les dinei mamonot. Tandis que pour les dinei nefashot, machazir nizrut, ben machazir nechova, pour les lois de condamnation à mort, on les rappellera nizrut, si on veut le disculper, l'acquitter, ben machazir nechova, mais on ne le rappellera pas pour le rendre coupable. Soit, deux cas de figure, on a prononcé que Réhouven, qui était accusé de meurtre, eh ben, il n'a pas tué. Ça y est, il est content, il est ressorti du Bedin, il est tout heureux, il est tzadique. Je fais exprès de dire ce mot-là pour ensuite vous allez comprendre le pasouk qui nous l'a dit. Il a été tzadique, le Bedin a prononcé un verdict de tzadek. Tzadique, on l'a acquitté. Et ensuite, il va y avoir deux juges qui vont réaliser qu'ils se sont trompés. Ils vont se dire, oh, on a oublié on avait appris finalement que le pshat dans le Tosfot, selon le Ksot HaChoshet, c'était plutôt comme ça, et il s'avère qu'en réalité, il est khayab. Et ils vont vouloir appeler maintenant les juges pour recommencer le procès, et dire, non, ça y est, une fois qu'il a été acquitté, on remet plus son procès sur table, c'est trop tard. Tandis que si on l'a condamné, et qu'il était en route vers la potence, vers la guillotine, ouais, Renek, selon le cas, Renek, Hereg, alors, si un juge qui dit non, je pense finalement qu'il faut le rappeler parce que je crois que je me suis trompé, qu'en réalité il doit plutôt être disculpé, alors on va rappeler la personne, on va recommencer son jugement parce qu'en réalité c'est quelqu'un qui est naki. D'où maintenant on a le pasouk qui nous dit Ve tzadik ve naki al taharog. Il y a un pasouk qui nous dit de ne pas tuer ni un tzadik ni un naki. Naki c'est quelqu'un qui est propre, donc il n'y a pas fauté, soit qui a été condamné à mort par erreur, et tzadik c'est quelqu'un qui n'est pas forcément propre, mais en tout cas qu'on a décrété comme propre. Comme juste, d'accord, qu'on a disculpé. Ensuite, autre différence, donc on avait la différence, le nombre de juges 23-3. Comment on ouvre le procès avec une tendance à disculper pour les dîners nefashot? Ensuite, comment on tranche selon la voie de la majorité, un supplémentaire ou deux supplémentaires pour les dîners nefashot si on veut condamner? Avec quatrième différence, on avait vu maintenant, est-ce qu'on rappelle, est-ce qu'on remet le procès sur table, est-ce qu'on réouvre le verdict, c'est son, on conteste le verdict prononcé pour les dîners mamonotes. Oui, dans tous les cas, pour les dîners fachot, pas pour le réinculper. Ensuite, cinquième différence. Dîners mamonotes, à kol melam din zchut vechova, le dîner fachot, à kol melam din zchut, ven à kol melam din chova. On apprendra dans deux Mishnayot comment précisément le Bedin était assis. Il y avait une situation en arc, 23 juges, et trois rangées de Talmidim qui étaient devant eux. Trois rangées de 23 Talmidim, qui étaient aptes, déjà de Talmid Chamim, aptes à devenir juge. C'est tout ça, il y avait un juge qui pouvait plus juger. Et tous ces Talmidim-là, tous ces disciples, assistaient au débat et avaient le droit d'intervenir. Alors la Mishnah nous enseigne que ils ont le droit, alors pour les dîners mamonot, pour les différents d'argent, tout le monde peut intervenir pour avancer n'importe quel propos, que ce soit un propos qui va inculper ou disculper. Par contre, pour les dîners nefashot, pour les lois de condamnation à mort, ces talmidim-là pourront se prononcer pour avancer des propos qui vont acquitter, mais pas des propos qui vont rendre coupables. C'est ce qu'il y a écrit, dîner mamonot hakol melam din zchut vechova. Pour les dîners mamonot, les différents d'argent, tous peuvent avancer des propos pour l'izchut ou l'echova, acquitté ou condamné. Mais dîner nefashot, pour les différents d'argent, pour les condamnations à mort, hakol melam din zchut, tous peuvent être melamed zchut, avancer des propos, expliquer des circonstances atténuantes pour disculper.
Mais tous ne peuvent pas intervenir pour être melamed chova, pour trouver avancer des propos qui vont plutôt tendre à le condamner. Ensuite, alors ça peut faire maintenant, c'était la cinquième différence si je ne me trompe pas. Je sais plus. Ouais, ça fait 5, maintenant c'est la 6e. Dine mamonot, melamed chova, melamed zchut. Melamed zchut, melamed chova. Dine nefashot, melamed chova, melamed zchut. Melamed zchut, enu yachol achzor, melamed chova. Tout d'abord, pour le dine mamonot, un juge qui débat, s'il a avancé un propos, il a le droit ensuite de changer de propos. Comme disait mon prof d'anglais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, il a le droit. Et au début, il disait « Ah, c'est sûr qu'il faut le rendre khayav. C'est marqué dans le sod, dans le tivod, dans le char, dans le sma. » Il a rapporté ses preuves et puis finalement, il a réfléchi. Il a dit « Non, mais finalement, je pense que selon le rabbi Kéveguer, il faut tout remettre en cause. » Et finalement, le sod, il n'y a pas forcément de question. Il y a fait tout un pile-poule pour nous laisser. Il a le droit de changer. Il passe de condamnation à disculper, à quitter, et puis de l'un à l'autre sans, à sa guise. Il se prononce et jusqu'à la fin. Une fois que maintenant, chacun aura débattu et avancé ses propos, aura essayé de convaincre l'autre, on va dire, bah maintenant on va voter sur la loi de la majorité, et il pourra dire ce qu'il veut du début jusqu'à la fin, il peut revenir et finalement dire autre chose. Pour le dîner mamonot, le juge, ouais. Tandis que pour le dîner nefashot, s'il a ouvert son propos en tendant à condamner, donc dîner nefashot, hamelamed chova, il a ouvert son propos en tendant à condamner, mais la metzrout, il pourra ensuite avancer un autre propos dans lequel il va plutôt tendre à disculper, à acquitter. Par contre, avala melamed shrut, s'il a ouvert son propos en disant il n'est pas khayav, même s'il a tué, mais finalement il manquait ici quelque chose, pour une raison pour laquelle c'est pas évident de le rendre, de le condamner, donc je pense plutôt qu'il faut le disculper. Et pendant qu'ils ont débattu, finalement il a commencé à revenir sur ses paroles en disant non, je pense finalement qu'il faut le rendre khayav, il n'aura plus le droit de se prononcer, il devra rester dans sa position de quelqu'un qui a voulu acquitter pendant tous les débats. Tout le débat. Au moment de prononcer le verdict sera différent, on va l'expliquer dans quelques secondes. Soit, d'abord on va expliquer l'intérêt. Dès que tu as avancé un propos pour lequel tu penses à acquitter, tu n'as plus le droit de revenir et de dire finalement tu penses qu'il faut le condamner. Pour quelle raison? D'abord, mon prof d'anglais, c'était lui l'imbécile. C'était un goy. C'est pas le problème. En tout cas, il y a des fois, il faut, on tend spécialement à changer de... étant donné qu'on a une tendance à faire de notre mieux, tout favoriser pour que qu'on disculpe le condamné à mort, comme on a introduit. De ce fait, lorsque tu commences à vouloir... On a un intérêt d'abord, a priori et a posteriori en fait, c'est simple. Tourne bien ta langue, c'est toi avant de parler. Comme ça, si toutefois tu affirmes qu'il les quitte, que tu penses qu'il ne faut pas les quitter, donc premièrement, ça va t'imposer de bien réfléchir avant de te prononcer. Quand tu vas te prononcer ensuite, tu vas ensuite tout faire pour prouver à quel point tu as raison. Puisque tu n'as plus le droit de changer d'avis, tu vas être obligé de rester sur ta position. Et bien sûr, tu vas tout faire pour apporter des preuves de ton mieux pour prouver que ce que tu tendais à le disculper, c'est ça le émet. Bien sûr, la Gemara précise, si toutefois il a vraiment envie d'être rosherbo, de revenir sur ses propos, alors il devra se taire, il ne pourra plus avancer son propos, et au moment de prononcer le verdict, il aura le droit de lever la main parmi ceux qui condamnent et condamnés. D'accord? Donc c'est ce qu'il y a écrit, donc, « Dine nefashot, melamed chova, melamed zchut. » Pour les dine nefashot, pour les différents d'argent, « melamed chova », s'il ouvre son propos en condamnant, « melamed zchut », il pourra revenir et être « melamed zchut », disculper. « Melamed chova, zchut, et nechol arzor, melamed chova », s'il a commencé à avancer des propos pour l'acquitter, « et nechol arzor, melamed chova », il ne pourra plus recommencer et revenir sur sa parole pour essayer de le condamner en prouvant, sauf jusqu'au verdict, comme on l'a dit. La suite de la Mishnah, donc on a dit, on la laissera avec la prochaine Mishnah qui sera relativement courte. Ça viendra d'avoir une Mishnah trop longue pour aujourd'hui. On fait très rapidement le Bartenora. Echad dine mamonot vechule shenemar mishpat echad yelachem. Le Bartenora va nous introduire la source des versets. Ou bedine nefashot k'tiv, pour les dine nefashot, pour les condamnations à mort. Là-bas, il y a un passage qui nous dit « Vedarashta vechakarta » « Tu enquêteras et tu analyseras, tu questionneras. »« Vezeu din Torah » Maintenant, le Bartenora vient nous dire « Et donc, puisque tu as vu dans les condamnations à mort que tu dois bien analyser les témoins, de ce fait, mishpat echad yelachem, une seule manière de juger vous aurez pour vous, soit juxtapose les différents d'argent des condamnations à mort pour en déduire que tu devras analyser les témoins même pour les différents d'argent. » Vezeu din Torah, ça c'est selon le strict de la Torah. Avalamru chachamim,
Mais les Chachamim ont dit Sha'en marichin medrisha v'chakira bedine mamonot shalotinol delet bifne lohin. Chachamim ont décrété qu'on ne posera pas trop de questions de drisha v'chakira pour les différents d'argent, afin de ne pas fermer la porte devant les créanciers, devant les emprunteurs plutôt. Et là, imken raou bedine shadine merumé, sauf si bien sûr le juge flaire que le din il est merumé, qu'on est en train de le tromper. On essaye de l'embrouiller. Donc là, il aura le droit, bien sûr, de questionner à fond les témoins pour les user au point où on voit ce qu'ils disent la vérité ou non. Vedrisha et Chakira. Maintenant, le Bartanora nous dit une introduction générale. C'est quoi qu'on fait les Drisha et Chakira? On est Doresh, on questionne, et Chakira, on enquête. Ou Hashela Beinian. Vedrisha et Chakira, c'est quoi? Ou Hashela Beinian Beatzmo, Kegon Kamalelo. C'est lorsqu'on pose des questions sur les faits, en, les faits eux-mêmes. Comment il va ou combien il lui a emprunté, ou matin il va ou quand lui a-t-il emprunté, ou Bezeinian il va ou selon quel, dans quelles circonstances il lui a prêté, ou Bezeinian comme il va ou dans quel lieu ça s'est passé. Il y a encore une autre sorte de question qui s'appelle les Bdika, on est Bodek. Ça ne touche plus au fait proprement dit, mais plutôt à des conditions externes. Kegon. Par exemple, on va lui dire de quelle manière il était habillé, quelle couleur, kelim shchorim, des vêtements noirs, ou kelim levanim, ou des vêtements blancs, omed haya ou yoshev, il était debout, il était assis lorsqu'il lui a prêté l'argent. Après, on avait vu la deuxième différence, potrin mizrout, ça veut dire quoi, potrin masao ou matano sheldin, le pour parler le débat autour du jugement, du verdict. Ben mizrout, ben nechova. Pour les dîners mamonot, on pourra ouvrir le débat qu'il s'agisse des sroutes qu'on tend à la quitter ou qu'on tend à condamner. Mahazirin, après c'était la quatrième différence, lorsqu'on va annuler, contester le verdict, on va faire appel. Sotrin et adin achar shegamru veyadou shetaou. C'est quoi Mahazirin? On va annuler, c'est-à-dire on va contrer l'histoire, contrer, casser, contrer le jugement, le verdict prononcé. Après qu'il a été prononcé, après qu'ils ont étudié et qu'ils ont conclu qu'ils s'étaient trompés. Bien sûr, ils ne vont pas rappeler tout le procès pour dire « Attendez, je crois que je me suis trompé. » D'abord, parle-nous. Explique, avance ton propos d'abord sans rappeler les gens. Si on voit qu'il y a quelque chose d'important dans ce que tu dis, un point, un nouveau point qu'on n'avait pas bien analysé, alors là, on va annuler le procès. « Ça, c'était la quatrième différence, si je ne me trompe pas. De quoi on parle que tout le monde ne peut pas et melamed chova, avancer de propos qui tendent à condamner. Sheim amar echad min atalmidim yeshle lamed al chova en shominlo. Que si un des talmidim, des disciples qui sont donc assis devant les juges, avançait un propos en disant que qu'il a de quoi le condamner, alors on n'écoutera pas. Et on a fini pour aujourd'hui. Ça c'est donc la suite de la Mishnah pour la prochaine. Bezrat Hashem, kol tov selah.